Bonsoir, alors depuis hier, je reçois des messages qui me disent que dans l'étoile mystérieuse, ce n'est pas Benabar, mais Cyril Ferraud que l'on peut voir dedans. Bon, alors regardez bien l'image. Vous voyez l'image, regardez comment elle est. Vous voyez que le fond, regardez bien les cheveux, etc. Vous avez bien vu? Regardez, 1, 2, 3, et voilà la photo. Et qui c'est ça? C'est Benabar aussi? C'est Cyril Ferraud. Bon, bah, comment dire, on verra bien, hein, donc à moins que ça soit Cyril Ferraud qui s'est déguisé en Benabar. Donc normalement, donc demain. Quelqu'un va trouver donc l'étoile mystérieuse. Alors, on me dit qu'il y a un certain Jordan. Donc, si demain, dans les 12 coups de midi, vous voyez débarquer un certain Jordan, donc le Calaisien va retourner à Calais. Donc, mais bon, sinon, si c'est le Calaisien qui gagne, eh bien, c'est lui qui va gagner donc l'étoile mystérieuse. Voilà. Et puis, bon, bah, comme je ne fais rien sans rien, eh bien, donc, le t-shirt, l'avenir est incertain. Qu'est-ce qu'il est drôle. Et puis, le t-shirt, prohibition avec Al Capone, avec le masque. Ah oui, puisqu'en ce moment, il y a beaucoup de prohibitions. Donc, tout ça sur le site tromillon.com. Et sinon, je vous dis à demain et on verra qui a trouvé l'étoile mystérieuse. Et surtout, est-ce que c'est Cyril Ferraud ou bien Benabar? Eh bien, on verra demain. Tiens, je vais envoyer un mail à Benabar. On sait jamais s'il me répond.